أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Cela fait un bon moment que nous ne nous sommes pas retrouvés et le mot est bien approprié, je trouve. Durant nos veillées spirituelles, nous venons nous rencontrer et aussi nous retrouver. Car trop souvent, la vie quotidienne, nos vies, nous font oublier l'essentiel, nous font nous oublier, nous perdre. Et se retrouver, c'est trouver du plaisir à se revoir, trouver du sens dans ce qu'on fait. Se retrouver, c'est trouver de la joie de partager. Se retrouver, c'est prendre le temps de se ressourcer. Le temps de faire une pause pour voir si on n'a pas perdu de vue l'essentiel. Se retrouver, c'est se chercher sur une carte. C'est voir où on en est. C'est voir si l'on ne s'est pas éloigné du centre. Si son cœur bat toujours dans la bonne direction. Nous allons donc ce soir revivre ces beaux moments, ceux qui nous ont tant manqué. Ces nuits qu'ensemble nous avons passé en prière dans la bienveillance, le respect, l'humilité, le non-jugement, dans l'écoute de la parole sacrée que nos tatas psalmodiaient. Nous allons bientôt, si Dieu nous prête vie, recevoir, vous le savez, un invité de marque. Et nous sommes venus ce soir pour vérifier si l'on est bien prêt à l'accueillir. Ramadan est un mois de recueillement, de prière, d'assaise, de retenue, de gymnastique de la pensée, du corps, du cœur. C'est le mois où l'on est censé reprendre les rênes, non sans difficulté, mais c'est le mois où l'on est censé reprendre de bonnes habitudes. Donc, nous allons tâcher ce soir de commencer l'entraînement spirituel. Et cet entraînement, on va le commencer en faisant un saut, un bond dans le temps, en remontant 1800 ans environ en arrière. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence, comme vous le savez toutes et tous. Et on sait que le premier des versets révélés par Dieu est celui qui nous dit, qui nous enjoint à lire. Allah nous dit « Lis au nom de ton Seigneur ». C'est donc aussi le mois de la lecture, de la connaissance. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla nous invite à lire ? Lire, c'est commencer à connaître. C'est appréhender Allah et sa création. Lire, c'est apprendre. Lire, c'est réfléchir, c'est découvrir, c'est lire, c'est s'interroger. Vous savez qu'il y a une nouvelle discipline de nos jours qui commence, elle s'appelle la bibliothérapie. En fait, c'est plutôt que de te donner une ordonnance de médicaments pour aller mieux, c'est une ordonnance de lire, de livres à lire. Lire, c'est donc aussi guérir. Lire, c'est avoir accès à une certaine intelligence. L'intelligence, ça vient de intelligere et qui veut dire lire au-dedans. Et quand Allah nous dit « Lis au nom de ton Seigneur », il nous invite à lire au-dedans. Lire, c'est savoir identifier et comprendre ce qui se joue à l'intérieur quand je vis et quand je lis. Donc savoir quoi ? Savoir lire le ciel, les étoiles pour se diriger dans le désert ou sur la mer. Savoir lire la parole d'Allah aussi pour savoir se diriger. Savoir lire la nature pour cultiver mes légumes et la terre.
savoir lire la lune et ses faces pour mes cultures, savoir lire les textes qui nous ont précédés, la parole sacrée, savoir lire aussi son corps, ce qu'il nous dit, ce qu'il a à nous dire quand il nous fait un bouton de fièvre ou de l'eczéma par exemple. Savoir lire, c'est savoir apprendre à vivre, à vivre avec ce que l'on a à lire, savoir remettre les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. Savoir lire au-dedans des événements, savoir lire l'histoire pour comprendre le présent, savoir lire ses émotions, ses sensations, ses ressentis, son instinct, la connaissance de ses tripes, ses intuitions, son cœur. Et la synthèse de toutes ces lectures du dedans, ben c'est ça la sagesse. Et donc ce soir, on va voyager dans le temps. Comme je vous l'ai dit, on va faire un bond de 1800 ans et découvrir que ce qui a préoccupé l'homme du passé continue de le tracasser aujourd'hui et que les réponses qu'il a trouvées sont finalement encore valables aujourd'hui si toutefois on les lit et si toutefois on s'y intéresse. La sagesse est universelle et atemporelle et les réponses à nos questions aussi. Nous allons ce soir étudier la pensée d'un homme qui a vécu en Grèce, qui a vécu entre 50 et 130 ans après la naissance de Sayyidina Isa Jésus, alayhi salam. Cet homme, de sa main, il n'a rien écrit. Il a juste transmis par voie orale ses pensées, ses réflexions, ses analyses sur la vie. À cette époque, donc on est en Grèce antique, il est esclave. D'ailleurs, son nom veut dire « homme acheté » ou « serviteur ». Son nom, c'est Épictète. Ce qui va faire la force d'Épictète, c'est qu'il ne s'agit pas d'un théoricien qui dit « faites ceci, faites cela », mais c'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair ce qu'il transmet. Et tu sens qu'il a tiré des leçons et une sagesse dans tout ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qui rend finalement applicable ses conseils à notre époque. C'est un homme qui a été torturé, physiquement, et qui dit être parvenu et comment parvenir à accepter son destin et ne pas devenir fou. Comment ne pas se rebeller devant ce qui est peine perdue, et donc comment s'adapter, éduquer sa volonté à la volonté et à la sagesse divine dans tout ce qui nous arrive. Il va être libéré et devenir philosophe, et c'est un de ses élèves, Arius, qui va condenser par écrit sa pensée, ses entretiens, ses cours, son manuel. Et mon but ce soir, dans cette mosquée, est de vous montrer que, comme je l'ai déjà fait dans le Dars les chercheurs de vérité, quand on a étudié aussi la parole de Saint-Augustin, que celui qui cherche à l'intérieur trouve les clés. Je vais donc vous faire des allers-retours entre les enseignements de cet homme, de ce philosophe grec, et plus largement ceux qui appartiennent à la philosophie stoïcienne, et les enseignements de nos prophètes, et plus particulièrement au dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, envoyé par Dieu à l'humanité, et l'enseignement de ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Donc pour Épictète, je me suis basée sur un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, et c'est le titre qui m'a, dans un premier temps, attirée. Le titre, c'est « Ce qui dépend de nous ». En voilà un grand programme, un long programme. « Ce qui dépend de nous ». Eh bien, ce sera donc le titre de cette veillée et le thème principal de ce soir. On s'est retrouvés ce soir pour une mission tellement importante. Distinguer ensemble ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. C'est une véritable thérapie du jugement. On va tenter de trouver ce que cela peut nous apporter de comprendre ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. Ce que cela peut guérir dans nos vies, que de distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. Vous avez Cathy Byron qui a contemporanéisé cette façon d'appréhender la vie dans une méthode qu'elle appelle « The Work », qui est aussi intéressante, mais moi ce soir je vais plutôt rester au plus près de la parole d'Épictète et de son livre qui s'intitule « Ce qui dépend de nous » aux éditions Arléa. Et qu'est-ce qui m'a fait aussi être attirée par ce philosophe? Il est connu aussi pour une des phrases qu'il répétait à ses élèves. Il disait « Supporte et abstiens-toi. Supporte
et abstiens-toi. Je trouvais qu'à l'approche du mois sacré de Ramadan, on ne pouvait pas mieux dire et mieux trouver comme sagesse. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'abstention et de l'endurance par excellence. Et pour Épictète, l'abstention et l'endurance est un travail rigoureux à faire en soi et sur soi, et non pas seulement durant un mois de l'année, mais tout au long de ta vie. Il dit que c'est de cette façon que l'on peut atteindre le bonheur, dans la patience et l'abstinence. Pour lui, la seule manière d'être libre, c'est de cette façon. Le bonheur, qui est conditionné par lui par cette liberté de choix, de comment tu veux vivre et accepter ta destinée. La destinée pour lui, c'est dans ce qui est advenu par nécessité sans que tu n'aies pu intervenir. Le bonheur et la liberté pour lui, c'est d'accepter ce que tu ne peux changer et changer seulement ce sur quoi tu as du pouvoir. Voilà donc le thème de ce soir, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le bonheur donc d'accepter et de finalement de ne plus lutter en soi sur ce que de toutes les façons tu ne peux changer et la liberté de changer ce sur quoi tu as du pouvoir, ce qui dépend de toi. Mais pour atteindre quoi? Car pour Épictète, ce bonheur et cette liberté ne sont pas des fins en soi. Pour lui, son objectif, c'est d'atteindre l'ataraxie. L'ataraxie, c'est un mot d'origine grecque qui veut dire l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme. La tranquillité de l'âme agréante et donc agréée. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Radiyatan mardiyya. La tranquillité de l'âme qui agrée et qui, grâce à cet agrément, est agréée par Dieu et reçoit ainsi en son cœur la paix, la sakina que Dieu fait descendre pour atteindre cet état de nafs al-mutma'inna. Et pour y parvenir, Épictète a mis en place une méthodologie de la pensée et du comportement. Et lorsque tu la compares avec les enseignements prophétiques, tu t'aperçois qu'en réalité, il existe une vérité commune, une sagesse pérenne et universelle sur laquelle, si on revient, on peut tous se mettre d'accord et trouver les mêmes réponses. Cette tranquillité de l'âme, il dit l'avoir obtenue grâce à, d'abord, à une modération en toutes choses. N'est-ce pas ce que nous enseigne l'islam, cette religion qui est censée être la religion du juste milieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous rappeler par trois fois dans un hadith qu'on connaît qui a été rapporté par Muslim, les gens excessifs sont perdus. Excessif, c'est en rapport avec l'excès. Et la modération, c'est la solution. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire « Ne soyez pas durs, sinon Dieu se montrera sévère envers vous. » Et Allah, dans son Coran, Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et dans cette modération, c'est ça la facilité. Épictète a été un esclave et il a été torturé dans sa chair, comme je vous l'ai dit. Mais il a réussi à trouver une profonde paix, une quiétude, une disposition idéale de son humeur, de ses états d'âme, un calme à l'intérieur et une sérénité constante, comme l'eau, calme. Mais comment s'y est-il pris? Voilà donc ce soir ce qu'on va étudier, comment il s'y est pris. Souvent, lorsque l'on reprend l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens nous disent « Oui, mais c'était un prophète, et moi je ne suis qu'un humain. » Idem pour l'exemple des compagnons. Mais là, vous avez un homme qui a su réformer son âme et éduquer les travers de son ego, un homme qui vivait dans une époque aussi difficile que la nôtre. Dans le culte de l'ego, dans l'esclavage, etc. Et l'islam et tous les prophètes ont été envoyés non pas pour changer l'être humain. Car finalement, depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, les humains sont restés les mêmes. Ils ont de belles qualités, mais aussi toujours les mêmes travers.
Et tous les prophètes ont été envoyés pour nous inviter à trouver le meilleur de nous-mêmes, pour nous rendre plus humains, plus justes. Donc quand on choisit l'islam, c'est pour nous rendre plus humains et plus justes, de meilleurs humains, à travailler sur ce qui dépend de nous, pas plus, et bien sûr pas moins. On connaît comment a souffert le prophète, il a reçu un placenta sur sa tête, on lui a jeté des cailloux, ses pieds ont été ensanglantés, on l'a banni de sa ville natale, ses dents furent cassées, on a calomnié son épouse, il a perdu son fils, la plupart de ses filles, on l'a insulté. Idem pour les autres prophètes, certains ont été tués, bannis par leurs parents, par leurs enfants, par leur épouse. Pareil pour les compagnons qui ont subi aussi de grandes épreuves. Et Allah de nous dire, estimeriez-vous entrer au paradis sans aucunement passer par des épreuves analogues de ceux qui vous ont précédés? Calamité et douleur les affectèrent et ils furent ébranlés. Qu'est-ce qu'Allah nous dit là dans son verset 214 de Sourate Al-Baqarah? Qu'est-ce que Dieu nous dit et qu'est-ce qu'a compris finalement à l'intérieur Épictète? Que l'être humain doit faire un deuil, un grand deuil. Le deuil du paradis, la vie sur terre, c'est pas le paradis. Et la seule façon d'accepter, c'est de rationaliser cela. Il dit dans ce livre, dans ce qui dépend de nous, quand tu te prépares à faire quoi que ce soit, n'idéalise pas, sois réaliste. Il dit, quand tu te prépares à faire quoi que ce soit, représente-toi cette chose comme elle est. Sous-entendu, n'idéalise pas, sois réaliste et prépare-toi. Il dit par exemple, si tu sors pour aller te baigner et te laver au bain public à cette époque-là, on n'avait pas des douches à la maison, on allait au hammam, au bain public. Alors, n'oublie pas que avant de sortir, qu'on va t'éclabousser, on va te bousculer, on va peut-être t'injurier, te voler. Donc, que dit le fer Épictète? Il dit, je vais aller au bain et exercer ma liberté de choisir. Sous-entendu, je sais où je vais mettre les pieds, donc rien ne va me servir de me mettre en colère. Je sais que sur Terre, certains humains vont ne pas réussir à se maîtriser, mais moi, si j'exerce ma liberté de choisir dans ce qui dépend de moi, j'ai le choix dans ce qui dépend de moi, de ma réaction. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non. De nous dépendent nos pensées, nos jugements, nos idées. Les idées que l'on se fait des gens et des choses. Notre idée que l'on s'en fait de Dieu, de ses qualités, de ses décisions, de sa volonté. Nos désirs dépendent de nous, nos aversions, nos impulsions et ce que l'on va en faire en réalité. Ce que l'on fait de tout ça, de ce qui dépend de nous, eh bien c'est de cela dont nous aurons à répondre et ce sur quoi nous sommes responsables devant Allah. Et puis, parmi les choses qui existent, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, ni de notre bon vouloir. On ne choisit pas son apparence, son origine, ses parents, sa famille, son statut. Ce qui serait intéressant de nous poser comme question ce soir, c'est tout ce qui me préoccupe dans ma vie en ce moment, tout ce qui me rend triste, tout ce qui m'empêche d'agir, est-ce que ce sont des choses qui dépendent de moi ou pas? Car souvent, Shaitan nous fait nous préoccuper sur ce qui ne dépend pas de nous, finalement. Il nous fait nous inquiéter sur ce qui ne nous appartient pas. Sur ce qui ne nous appartient pas de changer ni de choisir. Épictète te dit, apprends à distinguer ce sur quoi tu peux véritablement agir de ce sur quoi tu ne peux rien. Et il te dit de le faire avec ou grâce à deux qualités, la modestie et l'humilité nécessaire. Sans modestie, tu peux penser que tout dépend de toi,
sans humilité, tu peux penser que tout dépend de toi. Fais preuve de modestie et d'humilité, et tu comprendras les limites de ton libre arbitre. Qu'est-ce qui est de ton libre arbitre et ce qui ne l'est pas? De quoi es-tu libre? En quoi es-tu libre? Et que fais-tu de cette liberté, de cette volonté, de cette possibilité de choisir? C'est ça aussi la science du Bayen, de l'éclairage, du juste discernement. Ce qui t'a touché ne pouvait te rater, et ce qui ne t'est pas encore arrivé ne peut t'atteindre tant que ce n'est pas l'heure, ou si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, tu ne peux comprendre ce qui dépend de toi ou pas si tu ne fais pas l'effort de te connaître et si tu ne fais pas un travail d'introspection et si tu ne fais pas un travail de développement personnel qui t'amènerait à atteindre et avoir suffisamment de modestie et d'humilité. Tu ne peux pas accepter ce qui ne dépend pas de toi si tu ne fais pas l'effort de l'acceptation de tes limites, par exemple. L'effort du lâcher-prise, l'effort du tawakkul. Et si tu ne cherches pas à connaître Dieu et à comprendre ce qui dépend de lui, tu ne peux pas distinguer et comprendre ce qui dépend de toi ni des autres si tu ne cherches pas à comprendre qui sont les humains. Ne cherche pas à comprendre ta nature humaine. Ne cherche pas à comprendre mais qui les a créés et comment il les a créés. Et dans la philosophie stoïcienne, à laquelle appartient notamment Épictète, mais aussi Aurèle et bien d'autres, il y a trois grands axes. Et vous avez Pierre Hadot qui en a fait sa spécialité. Il a écrit un livre et le titre m'a attiré aussi, qui s'appelle « Exercice spirituel ». Comment, voilà, on peut considérer cette éducation, celle à laquelle appellent donc ces philosophes, comme des exercices spirituels. Et j'ai trouvé intéressant parce qu'ils ont fondé donc ces exercices spirituels sur trois axes. Et on va, je vais vous en parler un petit peu ce soir. Le premier axe, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit, en tant que stoïcien, en tant que membre de cette philosophie, il dépend de toi et strictement de toi de faire un travail d'acceptation de tout ce qui t'arrive, de toute conjonction, de tout événement qui t'arrive dans ta vie, de toutes les choses qui se passent, même pas seulement dans ta vie, mais dans le monde. L'acceptation de la volonté divine, l'acceptation de ton incompréhension dans ce qui se passe. Il dépend de toi et strictement de toi de faire un travail, donc ce n'est pas naturel, un travail d'acceptation de toute conjonction, de tous les événements qui t'arrivent dans ta vie, de ce qui se passe dans le monde, l'acceptation de la volonté de Dieu, de la main de Dieu sur nos destins. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, prends ce que je t'ai donné, prends ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. Dans un autre verset, voilà ça au fayati karabuka fatarda. Première étape, l'acceptation. Première étape, prends ce que je t'ai donné. Et ensuite, deuxième étape, et sois parmi les reconnaissants. Donc, première étape, l'acceptation. Deuxième étape, l'amor fati. L'amor fati, c'est pareil, même philosophie. Apprendre à aimer, c'est-à-dire après l'acceptation, ils appellent à aller au-delà. Aime ce qui t'arrive. Car il y a forcément une sagesse. Première étape, l'acceptation et le travail intérieur que cela implique, de ne pas savoir pourquoi, de ne pas comprendre, mais aussi supporter la souffrance, la douleur. Première étape, non sans difficulté. Et deuxième étape, plus dure encore. Et Dieu en parle en disant, sois parmi les reconnaissants. Aime ce qui t'arrive. Et sois-en reconnaissant. Contente-toi de ce que tu as. Il y a pire. Ça aurait pu être pire, il y a forcément un bien derrière, et sache qu'il y a une facilité après.
Et ça, Épictète l'a déduit, l'a compris, en apprenant à lire au-dedans. Vous vous rappelez, intelligere, savoir lire au-dedans, savoir lire ta vie, tirer des enseignements de ce qui t'arrive. Il s'est dit, à quoi bon me révolter sur ce que je n'ai aucun pouvoir. Aïd el-Qarni nous dit, la meilleure adoration en islam est de patienter et d'attendre la délivrance dans ce qui t'arrive. Donc, premier axe, il dépend de toi et strictement de toi de faire ce travail d'acceptation. Deuxième axe dans cette philosophie stoïcienne, c'est un travail. Et il faut se rappeler, hein, on est à une époque en Grèce où c'est le début de l'histoire des Jeux Olympiques et les gens entraînent leur musculature, entraînent leur corps et entraînent aussi leur pensée. Et donc là, dans cette philosophie, on te dit, travaille, fais une gymnastique de l'esprit, entraîne-toi à la rationalité, à l'objectivité, et une représentation objective des événements. Comment ? En te débarrassant, en nettoyant ta pensée de toutes les considérations subjectives, de toutes les considérations affectives, de tous les imaginaires, de ce qui fait de toi un humain, car tu n'as qu'une vision limitée des choses et de la réalité. Les événements qui nous arrivent n'ont de sens que le sens que toi tu vas leur en donner. Alors Épictète te dit, arrête-toi-en au fait, car au-delà, c'est de l'interprétation. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Et ton Seigneur suffit comme guide et soutien. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala الحق وأحسن تفسيرا. La vérité est la meilleure des interprétations, la plus juste dans tout ce qui nous arrive. Premier axe, l'acceptation du destin. Deuxième axe, un travail, une gymnastique de l'esprit, un entraînement à la rationalité et au fait de s'arrêter au fait et de ne pas interpréter. Le passé ne t'appartient plus, le futur ne t'appartient pas encore, arrête-toi-en au fait, à l'ici et maintenant. Troisième axe, il dépend de toi d'agir conformément à l'intérêt commun de façon juste. Tu ne peux pas intervenir sur le comportement des autres, mais il dépend de toi d'agir conformément à l'intérêt commun de façon juste et éthique et responsable. Et c'est sur ton comportement que tu auras à rendre des comptes. Sous-entendu, fais ce que toi tu as à faire et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ou ce qui pourrait leur nuire. Ce qui pourrait leur nuire aujourd'hui ou demain est une vision d'en haut et lointaine sur les conséquences de toutes tes actions. Car tout conspire, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde d'interdépendance, un monde en lien. Donc est une vision sur les conséquences de toutes tes actions. Voilà ce sur quoi tu auras à répondre et voilà ce qui dépend de toi. Troisième axe. On a Omar ibn Abdelaziz qui a dit, quand Allah retire un bienfait qu'il a accordé à son serviteur, puis le lui remplace par la patience, soyez sûr que ce qu'il lui a accordé en compensation est meilleur que ce qu'il lui a retiré. Qu'Allah nous facilite. Épictète de rajouter, n'attends pas que les événements arrivent comme toi tu le veux, comme toi tu les souhaites pour être heureux, mais sois heureux de tout ce qui t'arrive au préalable, quoi qu'il t'arrive, c'est-à-dire très très dur à mettre en application, mais il y est parvenu. Il rappelle, et l'islam partage cela aussi avec lui, tout ce qui est arrivé là pour t'enseigner une nouvelle faculté. Épictète te dit, devant tout ce qui t'arrive, pense à rentrer en toi. Pense à rentrer en toi-même et cherche, mais finalement, quelle faculté je possède pour y faire face.
Et il dit, tu vas t'apercevoir que tu as en toi des clés et des ressources. Et tu vas acquérir de nouveaux savoir-être et faire. Il dit, tu aperçois un beau garçon et une belle fille. Trouve en toi la force de la maîtrise et de la tempérance. Et cela va devenir un savoir-faire et un savoir-être. La maîtrise et la tempérance face à l'épreuve de ce beau garçon et de cette belle fille. Tu souffres, trouve l'endurance. On t'insulte, apprends la patience. En t'exerçant ainsi, il dit, tu ne seras plus le jouet de tes représentations ou l'esclave de ton impulsivité. Tu ne seras plus le jouet de l'extérieur, mais maître de ton intériorité. Nous avons de nombreux exemples sur les sagesses à tirer dans tout ce qui nous arrive. Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayh, fut banni de Bagdad. Il a pris pendant cet exil cette façon de psalmodier le Coran. Et Allah de nous rappeler, il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Donc ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées et ta réaction. Et ne fais pas dépendre ta tranquillité de l'âme, la tranquillité de ton âme, sur l'âme de quelqu'un d'autre. Ne donne pas la clé de ton bonheur. Ne mets pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Et Épictète te dit, comporte-toi comme si tu étais un invité sur terre, l'invité à un banquet, à un repas. Tu es assis là, comme là, comme nous sommes assises à la mosquée, et le plat fait le tour des invités, et les invités à tour de rôle se servent. Épictète te dit, attends juste ton tour. Quand le plat va arriver devant toi, tends la main et serre-toi comme il convient. Mais s'il te passe sous le nez, s'il tarde à venir, n'insiste pas, ne t'impatiente pas. Occupe-toi, fais de même pour les enfants, pour une femme, un mari, pour l'argent, un travail. Fais de ton mieux et patiente, et alors tu seras digne de manger à la table servie par Dieu. Quelle belle métaphore d'Épictète. Toujours dans son livre, Ce qui dépend de nous, Épictète te dit, arrête de te plaindre et de te morfondre sur les choses qui ne dépendent pas de toi. Tu te fatigues pour rien. Tu en oublies tout ce que tu as déjà, car c'est là la voie par laquelle veut rentrer Shaitan, te focaliser sur ce que tu n'as pas encore, pour que tu oublies tout ce que tu as déjà, pour que tu n'apprécies plus ton présent. Tu vas finir par devenir ingrat. Tu vas finir, Épictète te dit, tu vas finir par en vouloir à toute la terre. Tu peux même devenir envieux et jaloux. Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, jure et dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur apportait quelque chose, ils mangeaient, sinon ils se taisaient sans prêter attention si cela était chaud ou froid. Épictète, dans son manuel, dit, souviens-toi que tu joues dans une pièce de théâtre. Cette pièce, elle a été choisie par le metteur en scène. Elle sera courte s'il la veut courte, longue s'il la veut longue. S'il te fait jouer le rôle d'un boiteux, d'un homme d'État ou d'un simple particulier, joue-le de ton mieux. Ça dépend de toi. Quant au choix du rôle, c'est son affaire, subhanallah. Qu'Allah nous facilite à jouer pour le mieux le rôle dans lequel, ou le rôle qu'il a choisi pour nous. Il dit, toujours dans son livre, Ce qui dépend de nous, que la mort, l'exil et tout ce qui te semble redoutable soient présents à tes yeux tous les jours. Donc il dit ça à ses élèves. Que la mort et l'exil et tout ce qui te semble redoutable soient présents à tes yeux tous les jours. Et la mort surtout, et jamais, il dit à ses élèves, tu n'auras de pensées lâches ni de désirs immodérés.
Ainsi, tu n'auras pas de pensée lâche, ni de désir immodéré. Ali ibn Abi Talib a dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le fait de suivre les passions et l'espoir d'avoir une longue vie. Car le fait de suivre ces passions éloigne de la vérité et l'espoir d'avoir une longue vie fait oublier l'au-delà. C'est dans Sifat al-Safwa d'Ibn al-Jawzi. Épictète te dit, le monde irait mieux si chacun accomplissait sa tâche, celle qui dépend de lui et celle dans laquelle on attend qu'il soit loyal et digne d'estime. Ce qui ne dépend pas de toi, dit-il par exemple, c'est le choix de tes parents. Il dit, cet homme est mon père. En tant que fils, je dois prendre soin de lui, supporter ses injures, etc. Mais c'est un mauvais père, me dis-je. C'est son rôle et il le fait mal. Mais cela ne dépend pas de toi, dit Épictète. Ce qui dépend de toi, c'est que tu joues ton rôle à toi, pour le mieux. Et chacun aura à répondre de ses responsabilités. Eh oui, chacun aura à répondre de ses responsabilités. Je vais vous lire des passages qui m'ont marqué, notamment à la page 38, où il parle par exemple du comportement à avoir en société. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, décide d'un style, d'un genre de vie que tu garderas aussi bien seul que devant les autres. Sous-entendu, seul ou devant les autres, tu dois avoir le même comportement. La plupart du temps, tais-toi, ou si tu veux parler, attends d'y être contraint et fais-le en peu de mots. Exceptionnellement, quand l'occasion t'y convie, parle, mais ne t'occupe pas de l'actualité, du combat des gladiateurs, des courses de chevaux, des jeux du stade, des nourritures et boissons, ici ou ailleurs. Tiens ta langue et surtout, pas de réflexion sur les gens, en bien ou en mal, ni de comparaison. Aiguille autant que faire se peut les conversations de ceux avec qui tu te trouves, sur des sujets convenables. Si tu te trouves seul ou au milieu de gens qui ne te connaissent pas, tais-toi encore. Ris rarement, et pas à tout propos ni à gorge déployée. Abstiens-toi de prêter serment, sinon en toute occasion, du moins chaque fois que c'est possible. Laisse tomber les invitations à dîner officielles ou privées, et si un jour les circonstances justifient que tu t'y rendes, sois extrêmement attentif à ne pas te laisser aller à la vulgarité. Car si ton partenaire est plein de boue, en luttant avec lui, même si tu étais propre en arrivant, tu en sortiras tout sali, tout crotté. Il dit à la page 39, si l'on te rapporte qu'un tel a dit du mal de toi, ne cherche pas à te défendre de ses accusations, mais réponds simplement, je vois qu'il ne connaissait pas tous mes défauts, sinon il aurait dit bien davantage. Subhanallah. À la page 41, il te dit, quand il te vient l'envie d'un plaisir comme pour les autres sortes de représentations, prends garde de ne pas céder à sa violence. Laisse reposer la chose. Donc voilà, tu as un désir en toi. Attends, ne te précipite pas, laisse reposer la chose et accorde-toi un délai. Et ce délai, pendant ce délai, songe à ces deux instants, celui où tu goûteras le plaisir et celui où, après y avoir goûté, tu en auras le regret et t'insulteras toi-même tout bas. Oppose à cela la joie que tu éprouveras et les louanges que tu t'adresseras si tu t'abstiens. Si tu trouves opportun de passer à l'acte, fais attention de ne pas succomber à la douceur agréable et séduisante de la chose. Imagine pour y résister combien précieuse est la conscience d'avoir remporté cette victoire-là, de ne pas avoir cédé. Page 47, encore une chose qui m'a plu. Il parle de l'humilité. Il dit, si dans une assemblée, quelqu'un te dit « Mais toi, tu ne sais rien. » Si tu ne ressens rien, sache que quelqu'un te dit « Mais toi, tu ne sais rien, de toutes les façons. » Si tu ne ressens rien et que tu n'en es pas mortifié, sache que tu es en bonne voie. Car ce n'est pas en lui mettant l'herbe sous le nez que les moutons
montrent aux bergers qu'ils ont bien mangé. C'est à leur laine et à leur lait qu'on s'en aperçoit. Après qu'ils ont digéré leur nourriture, et bien fait de même. Ne va pas mettre sous le nez des profanes les principes de la philosophie. Fais-leur en voir les effets quand tu les as digérés. Subhanallah. Donc ce n'est pas en disant il est bien de faire ceci, il est bien de faire cela. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais moi je sais, je vais te montrer. Montre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a dit Allah, ce que cela a eu comme effet dans ton comportement. Et c'est cela le meilleur des, la meilleure des da'wah et le meilleur des exemples. Épictète nous dit, apprends à faire dire à ton cœur si c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est le plus dur à atteindre. Rida, la satisfaction de ce qui t'arrive. Apprends à faire dire à ton cœur si c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et pour finir, je vais vous lire ce qu'il dit à la page 73. C'est une prière. Il dit, quel discours suffirait à louer ou à représenter tout ce que fait pour nous la Providence en parlant de Dieu? Si nous avions un peu de bon sens, à quoi devrions-nous consacrer tous nos soins, en privé comme en public, sinon à chanter la divinité, à faire son éloge et à égrener le chapelet de ses bontés? En mangeant, en bêchant, en labourant la terre, nous devrions chanter cet hymne à Dieu. Il dit, donc quel est donc cet hymne? Dieu est grand, car il nous a donné les outils qui nous servent à travailler la terre. Dieu est grand, car il nous a donné des bras, un gosier, un estomac, et nous a fait capables de grandir sans même nous en apercevoir et de respirer en dormant. Ainsi, pour chacun de ces dons, nous devrions lui rendre grâce et surtout entonner l'hymne le plus sacré et le plus solennel pour le remercier de nous avoir donné la faculté de réfléchir à tout cela et de suivre la voie de la vie juste. Mais quoi? Puisque presque tous vous êtes aveugles, n'en fallait-il pas un pour répondre à votre place et propager cet hymne à la divinité? Que pourrait faire un vieillard estropié comme moi, sinon célébrer Dieu par ses chants? Si j'étais hirondelle, je gazouillerais comme les hirondelles. Si j'étais cygne, je chanterais à la façon des cygnes. Mais je suis un être doué de raison, il me faut chanter Dieu. Voilà ma tâche, je m'y consacre et tant que je serai capable de continuer, je n'abandonnerai pas mon poste et je vous invite aussi, vous aussi, à chanter avec moi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqih wa rida nafsih, wa zinat arshih wa midad kalimatih. Subhanallah al-azim, ma sha Allah wa ka, wa lam yasha lam yakun. Et enfin, pour finir, je vous invite à faire un exercice spirituel qui a été fait par Marc Aurèle, donc pareil, philosophe stoïcien, qui lui était empereur, mais qui, pareil, a fait le même travail que Épictète sur « Mais qu'est-ce qui dépend de moi ?» Et il a fait un exercice qui consiste à parler à son âme. Je vais vous lire le dialogue et le rappel qu'il a fait à son âme, et je vous invite ce soir, pendant ce qriyam, à en faire autant et à travailler ce soir en se disant, mais si je dois parler à mon âme, qu'est-ce que je lui dirais? Et il dit, seras-tu donc un jour, ô mon âme, bonne, simple, une, nue et plus apparente que le corps qui t'entoure? Seras-tu donc un jour à même de goûter la disposition qui te porte à aimer et à chérir? Seras-tu, ô mon âme, donc un jour satisfaite, sans besoin, sans désir, sans avoir à atteindre ton plaisir, te contenteras-tu de ta condition présente? Te réjouiras-tu de tout ce qui présentement t'arrive, ô mon âme? Te persuaderas-tu que tout est bien pour toi, que tout vient de Dieu et que tout ce qui lui plaît de t'envoyer, c'est pour le salut de ton être, afin que tu deviennes bon et juste? Seras-tu capable de vivre dans la société des hommes et dans celle de Dieu sans te plaindre et sans accuser personne? Seras-tu capable de vivre dans la société des hommes
et dans celle de Dieu sans te plaindre et sans accuser personne. Voilà donc le voyage spirituel que j'ai voulu vous faire vivre ce soir. Un début de travail sur ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous. Qu'Allah nous aide à répondre de nos responsabilités sur ce qui dépend de nous et qu'il nous aide à patienter sur ce qui ne dépend pas de nous. Qu'il nous aide à nous contenter, à travailler sur nous-mêmes, qu'il nous aide dans cette tempérance, qu'il nous aide durant ce mois béni de Ramadan, qu'il vienne en aide à tous ces peuples qui souffrent et qui n'ont rien demandé. Qu'il vienne en aide à tous les gens qui cherchent des réponses à leurs questions et qu'il nous aide à les aider si cela dépend de nous et quand cela dépend de nous. Wa fi amanillah.